Comment apprendre plus rapidement? Pour répondre à ça, il faut parler du système nerveux. Quand on pense au système nerveux, on a tendance à passer tout de suite au cerveau, mais le système nerveux en fait toutes les connexions entre le cerveau, la moelle épinière et le reste du corps, et c'est le système nerveux qui va régir tous les systèmes biologiques du corps humain. Le système nerveux peut être soit réflexif ou délibéré, puis quand on parle de réflexe, c'est une réaction qui n'est pas délibérée. On ne peut donc pas améliorer ses réflexes. On entend souvent dire dans le sport qu'un athlète a des bons réflexes, mais en réalité, on parle ici du temps de réaction. Comme on ne peut pas améliorer l'aspect réflectif du système nerveux, on va focaliser sur ce qu'on contrôle, nos actions et nos pensées. Puis les nouvelles actions et les nouvelles pensées vont amener le système nerveux à créer une nouvelle connexion. C'est ce qu'on appelle la neuroplasticité. Puis la neuroplasticité, c'est quoi? Bien, c'est le processus par lequel les neurones vont modifier les connexions afin qu'on puisse passer des choses qui demandent des efforts mentaux à des choses qui vont être réflexives, en fait. Les jeunes vont avoir des cerveaux vraiment plastiques, mais contrairement à ce qu'on peut penser, les adultes aussi, on peut améliorer notre plasticité. Puis le sommeil, c'est un élément essentiel pour utiliser la plasticité du cerveau, parce que ça n'a pas lieu en temps réel. Ça se produit pendant le sommeil, surtout pendant le sommeil profond. La question ici, c'est comment on peut l'améliorer? En planifiant l'apprentissage par bloc de 90 minutes, en prenant en considération que les 5-10 premières minutes vont être plus difficiles, mais ça va s'améliorer avec le temps. Il faut comprendre que notre corps continue les rythmes de nos cycles de sommeil de 90 minutes tout au long de la journée. Puis, il faut tester l'apprentissage de nouvelles informations à différents moments de la journée pour voir à quel moment de la journée on est le plus optimal pour l'apprentissage puis que c'est le plus efficace pour le faire. Puis ça, c'est différent d'une personne à l'autre.